On va accueillir le créateur de l'année pour cette édition d'Omnivore 2022. Personnellement, moi, la dernière fois que j'étais avec lui sur scène, c'était en 2018, il y a 4 ans, c'était à la Mutualité. Ça s'appelait déjà Sillon, mais c'était une autre histoire. Aujourd'hui, il a tracé sa route jusqu'à Biarritz et on est très heureux de l'accueillir avec son équipe, Mathieu Rostin-Taillard de Sillon. On l'applaudit. Salut Mathieu. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. On est très heureux. Moi, je suis très heureux de te retrouver. Ouais. Je le disais, c'était il y a 4 ans. Ouais. À la Mutualité, sur la grande scène. C'était une autre époque aussi pour Sillon. Est-ce qu'on peut redonner un petit contexte de l'époque pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Bah, c'était une autre aventure, un autre projet. C'était plus urbain, plus... C'était un ancien bouchon, donc c'était plus bruyant, plus serré. et moi, je cuisinais un petit peu différemment. C'était un petit peu plus... on changeait beaucoup plus les choses au quotidien. Aujourd'hui, on est un peu plus sage. Voilà. Il y avait aussi, c'était un peu la fin d'une aventure hein, aussi à ce moment-là. Oui. Peu de temps avant que le restaurant ne ferme, tu avais d'autres envies, des envies d'ailleurs, des envies de voyage, des envies de projets. Moi, j'avais surtout envie de rien faire. Et j'avais surtout, par expérience, j'ai voulu m'arrêter sans savoir ce que j'allais faire après pour prendre le temps de... De se ressourcer. De se reposer et de prendre des décisions une fois en forme. C'était quand même Sillon et ça s'appelle toujours Sillon aujourd'hui à Biarritz. Ouais. Déjà, quel était l'objet de continuer à tracer ce fil rouge entre des établissements qui n'ont pas grand-chose à voir aujourd'hui? Ouais, c'est venu... Alors en plus, j'ai ouvert un micro-sillon à Lyon. Mm-hmm. C'est resté parce qu'on a cherché autre chose et on s'est dit qu'en fait, non, ça me ressemblait bien et que c'était ce que je voulais et c'est un nom que j'aime et je l'ai gardé. Très bien. Avant d'ouvrir, il y avait aussi un travail presque de compréhension d'un territoire. Ouais. Le Pays Basque, la côte basque, la frontière est toute proche évidemment, donc on a la culture basque espagnole et la culture française, évidemment la culture basque qui s'exprime. Tu as eu envie de comprendre avant de faire, hein, si je puis dire? Oui, bah alors en plus, on a eu la chance, nous, d'avoir un Covid qui nous a laissé le temps. Au départ, moi, j'étais vraiment plus parti sur un projet plus montagnard. Mm-hmm. Pour plein de raisons personnelles, mais aussi familiales et aussi de cuisine pure. À l'époque, en 2018, tu parlais d'un rêve un peu d'ouvrir comme une sorte de chalet d'alpage. Ouais, mais je me suis dit que la poutargue et les agrumes allaient me manquer vraiment. Donc, je me suis plus dirigé vers un terroir qui pour moi était plus diversifié et en plus que je connaissais beaucoup moins, parce que je connais beaucoup plus le terroir montagnard. Ouais. Donc voilà, on a des idées de ce qu'est ce terroir, mais j'avais vraiment envie de... De t'y frotter. Ouais. Comme on a l'habitude de dire, ce terroir entre mer et montagne, comme on dit, propose une variété à la fois... On va parler de produits de la mer, on va parler de légumes, on va parler de poêles qui fument, on va parler... Alors, on n'a pas d'induction à la maison, alors... Je suis désolé. Dorian, c'est pas grave, t'en as une autre. Elle n'a pas brûlé. Tu l'as mis à fond, c'est pour ça. Justement, il y avait cette idée de finalement diversifier, découvrir, être curieux hein, concrètement. Cette envie de voyage, toi, encore une fois, il y a quelques années... Ce qui t'avait fait aussi revenir à Lyon, c'était une certaine idée des voyages. Où est-ce que tu es aussi parti pour finalement te ressourcer, toi? Moi, j'ai... Pour être franc, je suis parti faire du surf pendant 6 mois. Hein, OK. En Amérique centrale, au Maroc et au Japon, encore une fois. J'ai la chance d'avoir une femme qui me supporte et qui me suit, qui reste, qui vient, qui repart, qui machin. Donc ça se passe bien. Et voilà, et après... Ça n'a pas complètement été un hasard non plus que tu te retrouves dans cette terre de surf hein. Oui, bah... Oui, oui. Disons que ça compte. Oui, ça peut, oui. Ça peut, pas ça que pour ça, mais ça en fait partie. C'est okay. Partie du quotidien.
Bon, si on parle de cuisine, encore une fois, la dernière fois, moi je me souviens, il y avait des abats, il y avait des yakitori d'asperges. Est-ce que ça, tu t'y retrouverais aujourd'hui dans ce que tu nous avais proposé il y a 4 oui, ans? Oui, c'est, j'ai gardé la même ligne de cuisine avec un terroir différent. Aujourd'hui, je peux vraiment être beaucoup plus en lien direct avec le terroir jusqu'à Lyon. C'est vraiment différent. Là, on a vraiment une, on est vraiment en plein dedans tout le temps. Donc, ça nous permet d'avoir un niveau de produit vraiment très élevé dans notre quotidien, mais tout en étant à travaillant avec des fermes simples, ainsi de suite, quoi, pas des trucs élitistes, quoi. Choses simples, mais vraiment, il y a un niveau d'agriculture, un engagement qui est très très élevé. Donc, on s'éclate avec ça, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Bah, on a préparé des plats qu'on fait au restaurant. On a toujours cette démarche. Voilà, moi, je suis quand même vraiment un mec de bistrot au démarrage, donc c'est de la spontanéité et on s'adapte, on bouge. Voilà. Donc, je fais toujours une cuisine assez simple, une cuisine que je veux quand même assez lisible, qui puisse plaire. À plusieurs publics, à la fois quelqu'un de très pointu, à la fois quelqu'un qui ne l'est pas, avec différentes grilles de lecture. Voilà, donc je fais en sorte que tout le monde trouve son compte, quoi. Eh ben, je pense qu'on va être... Allez. On va prendre du plaisir avec ces assiettes. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous les décrire en quelques mots, les préparations qui vont sortir? Bah, on va faire un après l'autre. On fait un... Là, on fait un poivron qui a d'abord été brûlé au barbecue. Donc ici, on n'a pas le droit au barbecue. Mais on n'a pas le droit au barbecue cette année. On va faire tout comme si on en avait un, mais on n'en a pas. On les cuit d'abord au barbecue et après, on les fait revenir avec quelques herbes aromatiques et un jus de poivron pour finir la cuisson qu'on réduit. OK. Sèche crue. Alors là-bas, on a une qualité de sèche incroyable qu'on n'imagine pas. Voilà, elles sont vivantes ou presque... quand elles arrivent, quoi. Ça, il y a une certaine idée du Japon aussi, ou oui, pas oui, vraiment. Oui, bah certainement, mais c'est surtout le produit, quoi. Enfin, okay. Vraiment, moi, je suis en quête de toujours de produits exceptionnels par leur fraîcheur et par le lien aussi qu'on a avec les gens, ainsi de suite. Et voilà, c'est ça notre fil conducteur, quoi. Et après, le plaisir qu'on y prend tous ensemble, on construit les choses, voilà. On fait les plats quand ils nous amusent, on arrête de les faire quand ils nous amusent plus. Et voilà. Et ben vas-y, cela nous amuse encore. Débarrasse. Ouais. Donc ça, ouais, sèche cru. Avec des oreilles de cochon. On le fait en ce moment au restaurant. Hein. On assaisonne la sèche avec un garum de sèche. Alors, ça a été aussi l'avantage du confinement. Du confinement, c'est qu'on a tous eu le temps de lire le livre des fermentations du Nova qu'on n'avait pas le temps de comprendre avant. Il est heureux de l'entendre parce que... Ils le savent tous, ils ont tous fait pareil. Ouais, ouais. Voilà, on fait des garums de sèche, poivron, oreille de cochon. L'oreille de cochon et la sèche, il y a quand même une texture qui est assez proche. Hein, ouais. Le côté un peu croquant du cartilage et la mâche de la sèche crue qui renvoie un peu vers cette... Je me trompe pas complètement? Ouais. Donc assez pur, hein, on est sur là c'est cru. Cru, elle est même ni marinée ni assaisonnée? Non, justement garum de sèche pour l'assaisonner. Ok. Oreille de cochon, un pressé d'oreille de cochon, une chose assez simple. Et après à côté de ça on fait un jus, il est là-bas, un jus d'aileron et de tête, simplement avec beaucoup d'oignons rôtis, cuits. Réduit comme un jus de viande. Ok. Et de sèche. Et après, on pose ça tout simplement avec des fleurs de basilic actuellement, mais ça bouge beaucoup. Hop là. Très joli ça. Cette petite tresse de. Hop là. Et quelques fleurs de basilic. Et c'est tout. Et c'est tout. Quand le créateur de l'année nous propose une version extrêmement pure, effectivement, sèche, oreille de cochon et poivron. Mais oui, parce que finalement, enfin,
c'est pas, on me remet ce prix, j'en suis très content, mais c'est... Non, mais créer, c'est aussi définir un style, et si on, si on veut aller vers de l'épure, on va vers de l'épure, c'est pas forcément quelque chose qui est... Voilà, ça. Donc moi, on a la chance, encore une fois, d'avoir des produits exceptionnels, donc on va vers de l'épure à fond, et toujours en gardant de l'idée et du style, mais vraiment de la pureté. On essaye en tout cas de penser nos gestes là-dedans, l'organisation là-dedans, pour... que ce soit vraiment qu'on aille à l'essentiel sur les assaisonnements, sur les taillages, sur les cuissons, et que voilà, on a de la vaisselle assez simple parce qu'on n'a pas envie de se compliquer la vie à chercher telle assiette. On a une organisation qu'on essaye de faire très simple pour mettre le maximum de concentration sur les choses importantes. Très bien. Voilà. Alors ensuite. Ensuite. Je me permets, je la prends, je vais la mettre sur le podium. Merci. Alors, regarde, je vais. Hop. Ensuite, on fait un bia. Donc, bia, ça veut dire graine en basque. En fait, c'est le maïs grand roux qui a été réintroduit il n'y a pas longtemps. Ça fait 400 ans qu'il est au Pays basque. C'est un maïs de population qui a été remis en circulation par Yann Arlouchet. Et d'autres, mais c'est lui quand même qui est vraiment à l'essence de ce truc-là. L'initiative, ouais. Voilà. Ils en font. Fais attention, ça va fort, globalement. Il faut quand même aller doucement. C'est un grain beaucoup plus gros que de la polenta. Alors c'est marrant parce que lui, il a commencé à faire ça, et c'était pour nourrir ses bêtes. Il ne connaissait pas du tout la polenta, et c'est dans des réunions des faucheurs volontaires à l'époque anti-OGM. Elle a rencontré un Italien qui lui a parlé de la polenta, et il s'est mis à faire de la polenta comme ça, ainsi de suite. Et après, il a travaillé avec les uns les autres pour développer. Donc c'était la nourriture pour les cochons au départ. Ouais, pour les bêtes d'une manière générale, quoi. Ok. Donc voilà. Et on fait ça avec plein d'herbes marines, des capres de Christ, enfin, des boutons de Christ marine, huile d'ail fumée, des chips d'ail. On a la chance de pouvoir aussi, au Pays Basque, utiliser énormément l'ail. Je suis lyonnais et les Lyonnais sont un peu plus réticents sur l'ail. Et là, on peut y aller, donc ça fait plaisir. Et du cœur de thon séché. En fait, le cœur de thon qu'on passe au sel et qu'on sèche longuement. Tu peux le poser sur la planche pour essayer. Parce que cœur de thon séché, il faut trouver en fait un thon avec et son cœur. Où est-ce qu'on se fournit, si je puis me permettre? Ben non, on a travaillé beaucoup, enfin directement avec le pêcheur. Ouais, ouais, bah beaucoup avec le pêcheur, mais on a vraiment tiré les fils des produits et du lien avec les uns, les autres. On a notre photographe qui fait les photos pour le restaurant, et on l'a pas choisi pour rien. Il est aussi passionné de pêche. Ses copains sont pêcheurs, il connaît tous les pêcheurs de Saint-Jean. Tac, 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 tac. Et quand il y a un thon de 270 kg qui est pêché, le cœur est pour nous. Voilà. Vous avez préempté le cœur des thons. Voilà. En plus, il passe souvent à la poubelle. Donc, oui, parce que ça, on est d'accord que c'est un abat, littéralement, qui est jeté. Ouais. On n'en fait rien, a priori. Oui, bah alors les Siciliens font des choses comme ça. Okay. Mais à Saint-Jean, ça part à la poubelle. Donc, et voilà. Le cœur, quand il arrive frais, j'ai du mal à... Comme un cœur de... Bah, c'est pas comme un agneau, un truc. Ouais, ouais, vraiment un cœur, okay. Beaucoup plus rouge pour le coup. Et donc là, il va être juste séché dans ta cave. Alors pas dans la cave, dans la chambre froide. Il est passé au sel. Ok. Et séché. Alors avec le bia, on le fait. Bon, il y a beaucoup d'amidon, donc on le rince beaucoup. On fait une cuisson. On essaie de faire vraiment une liaison presque comme un risotto. Mais c'est très pur. Hein, c'est de l'eau. On met du sel de Nyokman pour renforcer l'aspect marin du truc. J'ai pas de problème à utiliser parfois des produits exotiques, pas frais bien sûr, mais là pour le coup le sel de Nyokman c'est cool, ça me fait plaisir, on l'utilise, on se gêne pas. Voilà. Ça, huile d'ail fumée dedans pour je sais pas pourquoi, mais pour apporter cette amande de la gourmandise. Bah, aromatiser, oui. Puis renforcer la basquitude. Voilà. Donc là, il a cuit combien de temps? Très peu de temps, j'ai l'impression. Non, il était cuit avant. Il cuit 7 minutes dans beaucoup d'eau. En fait, on le rince énormément, on le cuit 7 minutes dans beaucoup d'eau. On le refroidit et on réduit l'eau de cuisson pour lier.
Ok. Voilà. Donc ça, cette liaison, elle est naturelle. Aussi, naturelle avec de l'eau, du sel et du maïs et de l'huile d'ail fumée. Alors ça, si on s'inspire des Italiens pour la présentation du risotto, pour arrêter la cuisson, en tout cas, parce que ça a quand même toujours, c'est pas qu'esthétique à l'origine, c'est quand même c'est un but. Je savais pas ça. L'idée étant d'étaler pour rafraîchir en fait. Le riz arrête de cuire, quoi. Bien sûr. Toutes nos herbes marines, merci. On les tiédit dans un beurre. On fait un beurre en fait infusé de feuilles d'épis de maïs, l'enrobage du maïs. Mm-hmm. On torréfie. On fait un beurre avec ça pour continuer à aller dans cette direction-là. Hop. Donc elles sont un petit peu ramollies par la chaleur. Elles sont assaisonnées en même temps. On fait ça au dernier moment. Donc ça va être de la cueillette. Ouais, parfois c'est de la cueillette, parfois on le fait nous. Alors pour le coup, l'océan est à 1 minute 30 du restaurant. Donc pour le surf, c'est pratique aussi. Et parfois, on le fait pour nous, bien sûr. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire ce qu'on voudrait. Quoi. Ça, alors, bon, c'est quand même assez fort et ça. Je peux goûter ça? Ouais. Ça vient quand même bouger une base qui est quand même assez, assez ronde. Ça, fleur de fenouil, toujours beaucoup de fenouil, j'aime toujours beaucoup de fenouil, moi. La fraîcheur et les crist marines. Tu disais les capres de crist marines, hein? Ouais. Voilà, un petit peu, c'est aussi costaud, donc faut pas. Donc ça, c'est au vinaigre, littéralement. Ouais, okay. Sel et vinaigre. Les chips d'ail. Lorient fait beaucoup de chips d'ail ces derniers temps. Ses proches doivent être contents. Je suis assez monomaniaque et en ce moment, c'est la chips d'ail, donc il est aguerri. Et le cœur de thon. Que je vais prendre par l'autre côté, ça ira mieux. Qui va assaisonner, bien sûr, et un petit peu comme un katsuobushi. Comme un katsuobushi, vous vous en souvenez ce matin, voilà. Avec Dylan Watson Brown qui nous a présenté ses dashi avec évidemment la base de katsuobushi. Notre deuxième plat. Eh bien voilà, une très jolie assiette, on peut l'applaudir aussi cette deuxième assiette. Et on fait un troisième truc qui est du rouget, j'adore vraiment le rouget. Depuis toujours, et là on arrive à avoir encore une fois une des qualité de rouget vraiment incroyable. Encore c'est une des fois. Belles pièces hein, quand même. Hein, là. Ouais, pas toujours, mais là, ouais, on travaille avec des bateaux en direct, donc les gars ils vont. Là pour le coup, il est allé pêcher pour nous. Nous, on apprend vraiment le terroir, encore une fois, parce que quand on est en ville, quand on est à Lyon, quand on est à Paris. On passe un coup de téléphone et le rouget il peut venir de là. De toute façon, il vient en caisse, quoi. Ouais, voilà. À l'arrivée, on a une qualité, mais on a moins de compréhension des choses. Là, le mec, il s'appelle Georges, pêcheur. Quand il nous livre, il nous dit voilà, bah, c'était lune blanche. Donc, lune blanche, on sait que c'est bon pour les rougets. Il y a eu de l'eau douce, j'étais pas sûr, il y a plu, il y a eu de l'eau douce. Je suis pas sûr que machin. Donc, j'ai posé les filets là, c'était pas top. Je suis retourné le lendemain là, on a vraiment ce lien là qu'on ne connaît pas en ville. Mmh. Et pour nous, c'est super exotique en fait. Pour moi qui n'ai jamais travaillé au bord de la mer, c'est très exotique pour moi et c'est vraiment. Et très inspirant, j'imagine. Ouais, alors on est à la fois en France, à la fois à l'étranger, il y a une culture très forte, mais où pour le coup, ça se passe très bien pour nous. Et on est à la fois en France et à la fois à l'étranger. Tout à découvrir en étant chez nous, c'est très cool. Quand tu veux dire à l'étranger, ça veut dire un monde nouveau le ou Pays basque, donc c'est un pays. Non, il y a une culture très forte. Tu traverses beaucoup la frontière pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté, à Saint-Sébastien ou Ouais, un peu, mais les produits sont chez nous. Hein. Les produits sont au nord. Donc, non, il y a beaucoup plus. Enfin, je ne veux pas, on va pas faire la compète, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de produits au nord. Il y a vraiment. Et il y a beaucoup de chefs du sud, parce qu'on dit sud et nord et pas espagnol et français. Je ne veux pas faire de conneries. Non, tu fais bien de me reprendre. Merci. Et ils viennent beaucoup chercher les produits au nord. Okay.
Donc ce beau Rouget en tout cas. Rouget, donc voilà, là, j'ai fait du Rouget, mais on fait du Saint-Pierre, on fait du Turbo, on fait en tout cas ce qu'on nous propose, beaucoup de Lotte aussi en ce moment. Et on essaye de... On sépare les choses, Lise? Oui. Tu t'en occupes? Oui. À défaut de barbecue, bon, on a sorti là-bas. À défaut de barbecue, parce qu'on fait énormément de choses de barbecue, c'est aussi très culturel là-bas. Bien sûr. Vas-y, ouais. Donc on fait tout à la flamme. Là, habituellement, on fait ça tout au barbecue. Là, on l'a fait vinaigre et chalumeau. Voilà, on l'a fait ventrèche, collier, filet. Donc en fait, on va avoir plusieurs parties du même rouget qui vont avoir des textures, un peu des parties plus collagineuses que d'autres. Voilà, trucs qu'on va manger avec les mains, d'autres qu'on va manger sur la brochette, d'autres qu'on va manger avec des couverts. On sépare généralement les protéines du végétal. Pas seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi, encore une fois, parce que ça nous permet, au moment de la cuisson, d'être très focus sur un truc et pas se poser de questions de dressage, en fait. Où on fait c'est prêt, on en voit, quoi. Ça. Mathieu, il y avait pas une tentation de faire une cuisine aussi un peu régionaliste? On sait qu'il y a des marqueurs aussi de cette cuisine basque. On parlait des chipirons, par exemple. Mais il n'y en a plus. Donc, comment on fait maintenant? Il n'y en a plus, on n'est pas embêté. Les gens veulent manger des chipirons, mais il n'y en a pas. Il n'y en a plus, non. Il n'y en a plus, vraiment plus beaucoup, quoi. Vraiment, vraiment pas beaucoup. Et énormément de restaurants touristiques vendent des tonnes de chipirons qui viennent de l'autre bout du monde, mais en réalité, il n'y en a plus, quoi. Enfin, très peu, quoi. Ou à un prix absolument défiant l'entendement. Et alors, pour le coup, moi, je suis vraiment d'une région très marquée par la tradition. Et j'ai eu le succès de mes restaurants à Lyon, c'était justement d'aller à l'opposé de la tradition, parce qu'à cette époque-là, les Lyonnais, on ne pouvait plus manger du poulet de Bresse, machin, on parle de 2008, hein, donc la bistronomie était... balbutiante. Hein. Et donc je sais que c'est dangereux de s'affronter à la tradition, et j'ai pas envie, donc nous on s'en inspire un petit peu, on prend ce qu'on a envie, on fait comme on veut, et ça se passe très bien parce qu'on respecte le produit et qu'on est vraiment tourné sur le produit. Et après, on est libre de s'inspirer de ce qu'on veut, quoi. Donc des aubergines frites et déshydratées. D'abord frites, puis déshydratées. Ouais, okay. Pour concentrer, et après on va verser une sauce chaude à base de têtes, qu'on a fait avec les têtes de rouget grillées au-dessus du barbecue, et avec du kombu réduit. Juste en deux mots, là, on a du coup... Ventrèche, collier, filet. Okay. Filet, il est assaisonné avec de la poudre d'algues, déshydrater les algues. Ça, je vais l'assaisonner juste maintenant, mais je le ferai juste après. Sur les aubergines frites et déshydratées, ouais. On vient mettre des algues rouges déshydratées, qui vont se réhydrater aussi avec la sauce, donc encore une fois infusée... au dernier moment. Les algues fraîches, les mêmes. Ça va assaisonner, on peut dire, donner un peu de texture aussi. Oui, un oui, peu ça va infuser dans le bouillon et de la texture. Et encore une fois, voilà, sur le végétal et le marin, et voilà. Et bon. Avec ça, on met une pâte de meilleur cochon. Donc, normalement, c'est yuzu cochon, mais moi, je ne suis pas un grand fan du yuzu. Et là, les meilleurs, pour des raisons étranges, qu'on connaît finalement, mais sont mûrs deux mois en avance. Ok, on parle de citron meilleur. Hein. Ouais. Donc, qui pousse au Pays Basque aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup d'agrumes qui poussent au Pays Basque. Bien sûr. Tout pousse au Pays Basque. Donc, au nord du Pays Basque, surtout. Au nord du Pays Basque, je ne connais pas encore. Et pâte de piment au citron meilleur. Donc le yuzu cochon qu'on a vu hier avec William Ledeuil. Donc là, meilleur cochon, ouais. Citron meilleur, piment. Ça, c'est effectivement, ça envoie un peu de... Ouais. Alors encore une fois, je me prends toutes les libertés des influences. Si j'ai envie de faire un truc japonais, je le fais. Simplement que... on le fait avec les produits qu'on a là et pas ailleurs, sur le frais en tout cas, ce que je disais tout à l'heure sur le sec, pourquoi pas avoir des épices et garder du métissage en tout cas dans la cuisine, pas du piment d'Espelette absolument partout, tout le temps. Ouais, mais pourquoi pas, mais parfois oui, mais en tout cas pas cette notion trop fermée du terroir, parce que finalement,
les piments c'est latino et les agrumes c'est chinois et on le sait. Enfin voilà, on n'est pas. C'est que des histoires de migration de produits et nous on garde cette liberté-là de mettre du métissage dans une cuisine qui est quand même enracinée. Donc c'est un équilibre qui est pas facile, hein, ni faire de la fusion, ni faire du machin, ni faire du truc. Mais finalement des choses qu'on aime vraiment. Moi le yuzu kochou j'adore ça et je vais pas me. Enfin le meilleur kochou j'adore ça, mais le yuzu kochou aussi à la maison, mais pas dans la cuisine. Je ne veux pas me primer et me priver de l'utiliser, en tout cas. Bah, la notion de terroir, de saisonnalité, on l'a pas mal évoqué pendant ces trois jours. Ce n'est pas une photographie, c'est quand même un film. C'est, tout ça est en mouvement, ouais. On le voit bien. On parle de la saisonnalité des citrons, qui sont en avance de 2 mois. Guillaume Foucault parlait des poires qui tombent avant même d'être mûres, puisque les arbres en fait, sont en état de stress à cause de la sécheresse de cet été. Et du coup, il faut bien en faire quelque chose de ces, ouais, ouais. De ces poires. Ça nécessite presque, j'ai envie de dire, c'est des nouveaux défis ou des, peut-être des sources d'inspiration nouvelles pour imaginer des choses et en faire quelque chose de cette situation. C'est aussi des nouvelles habitudes, enfin des habitudes, parce que nous, on a les mains dedans en permanence, mais les gens continuent à aller manger des chipirons de Patagonie, quoi. Donc, non, mais c'est vrai, c'est dramatique, quoi. Donc, il faut, c'est aussi notre job de d'expliquer qu'il n'y a plus de chipirons et qu'il y a des agrumes et du thé, quoi, en fait, et que c'est ce qu'il va falloir manger. Quoi. Non, mais c'est vrai, il y a du thé qui pousse aujourd'hui au Pays Basque. Du thé ? Ouais, du thé, ouais. Mais il y a des gens qui s'amusent à faire pousser du thé aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. C'est, ouais. C'est une production qui est intéressante. Non, bah, ça commence à devenir sérieux. Ok. Et voilà. Et donc, on est à peu près au niveau du Sri Lanka maintenant. Hein. Mais c'est officiellement, sur la côte, en tout cas, c'est officiellement un climat à tendance tropicale, hein. C'est vraiment, en fait, c'est un climat à tendance tropicale. Et on a à la fois la montagne tout de suite derrière, donc un terroir plus rude, plus de montagne, ainsi de suite, avec des estives, pas des alpages, les Landes avec le Gers et le Béarn derrière, donc il y a vraiment une espèce de mélange de terroirs incroyable. L'année dernière, c'est Mauro Colagreco qui disait que lui, dans son jardin, à Menton, il avait des bananiers maintenant qui faisaient des bananes fruits. Ouais. Donc, on est en train de vivre une période de transition et même de transformation tellement rapide qu'effectivement, là, on trouve des mangues qui viennent de l'Etna en ce moment, magnifiques. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait, quoi, en fait ? Ouais, puis aussi, on va s'adapter. On va s'adapter. Et après, voilà, en fait, on met ça là. Et à côté de ça, on va mettre. Je ne vais en mettre qu'un seul, mais. Je vais la donner là. Filet de rouget. Le collier qu'on laisse brûler, celui-là, il est aux algues. Peut-être on envoie ça. Oui, on envoie. Hein, histoire de faire goûter, effectivement, si vous avez envie de comprendre donc le plat précédent, hein, c'est la polenta. Le bia. Bia. Ventrèche avec juste un petit peu de foie de rouge à cru. Voilà. Et notre bouillon, donc qui a un goût de fumée parce qu'il est séché au-dessus des élèves pour les envoyer. Oui, est-ce qu'on peut demander aux nos camarades de l'école Ducasse pour qu'ils viennent faire passer, s'il vous plaît, les plateaux ? Merci beaucoup. Ouais, ils sont partis. Non, peut-être qu'ils se préparent parce qu'ils ont droit à un petit mot aussi. Ils sont en pause. Sinon, j'y vais. Hein. Oui, merci beaucoup. Si on peut leur demander de faire passer en régie le message. Merci. Mathieu, juste, moi c'est mon troisième jour, je ne sais plus où on en est. Après cette assiette, toi tu as terminé ? Oui, j'ai terminé. Ok, très bien. Et voilà, donc nous on envoie là, sur sa part, la cuisson très attends, simple. Attends, ça on en a parlé de cette... Ouais, c'est une sauce de... Des abats ? Tête et arête de rouget grillée au-dessus du barbecue, eau. Okay. Enfin, on enlève les ouïes et les yeux. Eau. Et après, caramélisé, kombu et réduit. Donc le côté un peu crémé, c'est quoi ? Non, c'est rien, c'est juste c'est le collagène du poisson. Quoi. C'est le collagène du poisson qui va lier littéralement Rien d'autre que du jus de poisson et des algues. Un fumé et un kombu, quoi. Voilà. Eh bien, super. Eh bien, peut-être il est temps de te remercier. Le créateur de l'année Omnivore 2022. Merci, merci beaucoup Mathieu Rostin-Taillard d'avoir beaucoup. Participé. Et puis on va la remercier voilà, de faire passer pendant la fin de cette démo le petit Mathieu, comment on dit le bia. Le bia.